Cette aide a été faite en concertation avec les fédérations des boulangers qui sont venues nous voir en nous expliquant qu'il y avait eu des aides de l'État, mais qu'il y avait quelques trous dans la raquette. Et donc, on essaye de pallier avec cette aide les trous dans la raquette du bouclier tarifaire de l'État, puisque 80% des boulangers ne seraient a priori pas couverts par ce bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, je rappelle, ça limite la hausse du prix de l'électricité, parce que les boulangers, ils dépassent la puissance électrique plafond. Donc ce chèque, il passe de 5 000 à 10 000 euros, vous l'avez dit, pour notamment les boulangers, mais également les TPE, les petites entreprises de moins de 20 salariés. Et on va jusqu'à un taux de subvention de 80% pour les boulangers, c'est-à-dire qu'un four à pain de 10 000 euros sera remboursé à hauteur de 8 000 euros grâce à l'aide de la Roche. Cette aide, j'attire l'attention, c'est une aide qui apporte une solution pérenne. On n'est pas dans l'aide d'urgence qui est apportée par l'État. On est dans une aide à un investissement qui permet de réduire les coûts de l'énergie et de le faire durablement.